La nécessité d'être. Et c'est ça qu'il faut aller avec. Ouais. Ça c'est une rampe de récup ou alors c'est le gaz et il faut pas du tout toucher. Non, non, c'est une rampe de récup. Bienvenue chez nous. Ah. Ouais. Ah, que dalle. Bah il n'y a plus de lampe. Ça faudra peut-être leur dire. Ouais. Ça résonne. Ah, bon. Et ils ont laissé une chaise. À la place on met des étagères debout. Bah en fait, ce meuble, il y a des étagères de l'autre côté. Est-ce qu'on ferait pas un 360 S'il est sur roulette en plus, ouais, c'est relativement simple. Oui, mais il y aura des étagères en bas, est-ce que c'est pratique? C'est plus pratique. On fait un essai. Déjà, dans tous les cas, ce sera plus pratique. Ah, mais là, la vaisselle, elle va être de l'autre côté, la vaisselle à faire. Mais... On va jamais faire la vaisselle. 3 minutes. Je suis vraiment un monstre. Je suis pas très sympa. Super. Bon, bah nickel. Ok, on a tous les petits morceaux. Alors, le village du Bel Air, c'est un lieu de vie. On est 7 à vivre ici, en tout cas cet été 2020. Et on vit, donc le terrain fait environ 15 hectares. Il y a 10 hectares de forêt, 5 hectares de prairies qui sont principalement utilisés par les chevaux, les potagers et la zone d'accueil. C'est vraiment un lieu de vie, ça n'a pas une vocation économique. Ok. Lynn, ça va bien ? Ouais. De vivre en collectif, pour certaines personnes, ça peut être un manquement de liberté. Ça pue les poches d'eau, ça pue les poches d'eau. Parce que si je vivais tout seul, en fait, je pourrais... Les décisions sont beaucoup plus rapides à prendre, quoi. Il n'y a que soi-même à demander. Ici ? Par là ? Là, ça cure un peu. Comme on met beaucoup de choses en commun, donc on réduit les dépenses et ça fait qu'on a moins besoin d'argent, donc aussi beaucoup moins besoin de travailler à l'extérieur. Et donc on peut se permettre de passer beaucoup plus de temps sur le lieu et du coup à passer beaucoup plus de temps à faire une activité qu'on aime. Et ça c'est vraiment une liberté qui est incroyable. Enfin, je me suis rarement senti aussi libre. C'est pas très stable. Regarde, étendu comme ça. On essaye de se détacher un maximum de la vision du travail, comme on a l'habitude de la voir et de l'apprendre à l'école. Not so bad! Not so bad. Avec le modèle un petit peu productiviste qu'on voit très souvent dans notre société. C'est vrai? C'est ouf. Chacun est libre de travailler comme il veut travailler. On veut vraiment que le travail soit pas une torture, mais vraiment un plaisir. J'ai l'impression dès qu'il va pleuvoir, ça va rentrer, ça va beaucoup plus accumuler dans le petit truc. Après, on peut toujours lancer un truc d'eau dessus par là. Pourquoi tu veux pas couper la vache? Allez, go. Allez. Ah non, mais là, David, faut que tu repasses. Hein. Oh my god! Oh my god! Wow! Je sais pas où on peut faire des rêves.
so bad. Not so bad. Super. Bon. Hey team. Yes. On essaye de faire en sorte que ça reste toujours un plaisir, quoi. Si ça devient plus un plaisir, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être du plaisir, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile, ça ne veut pas forcément dire que c'est agréable. Par exemple, aller couper du bois et passer toute la journée à fondre du bois et tout, ça peut être très physique, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est pas plaisant, en fait, dans un certain sens, puisque du coup ça répond à plein d'autres besoins qu'on a sur le lieu, quoi. Il y a deux bâtiments en pierre qui sont vraiment au cœur du lieu, qui permet, voilà, d'avoir pas de route, de circulation juste avoisinante. Ça permet vraiment d'être tranquille. On a l'impression d'être en plein milieu de la forêt dès qu'on est dans les bâtiments collectifs. Et juste à côté des bâtiments collectifs, il y a un ancien château en ruine du 11e siècle, avec des douves autour, vraiment un lieu bien magique. Aller aux archives, parce que quand on travaille sur des vestiges de cette époque, obligatoirement il y a des archives. Quand on travaille là-dessus, il faut commencer par la documentation. Mais jamais commencer par fouiller et dire oula, j'aurais peut-être dû aller voir les plans ou les textes. Ah, mais alors, a priori, des informations, parce qu'on a essayé d'en avoir des infos, hein, notamment par des voisins ou des spécialistes, enfin des gens qui aiment la vieille pierre et tout. Ouais, ouais. Et il y a très peu d'informations, et les premiers écrits donc datent du XVIe siècle. D'accord. Mais il n'y a vraiment quasiment rien. Bah, c'est comme ça qu'il faut faire ce qu'on appelle les recherches régressives. On commence par le plus récent et puis on descend. Ouais. Parce que peut-être que ce château était en très bon état au XVIe siècle. Ça, je n'en sais pas. Il y a des chances. Peut-être. Moi, je vous le dis, il faut faire une étude d'oc sérieuse. Et nous, si vous avez nettoyé la végétation, uniquement la végétation, on peut venir avec un topographe et faire un relevé précis de tous les vestiges apparents. Ça donne déjà un plan, on localise les murs qu'on observe, etc. Ok, celui-là il est dur à voir parce qu'il est vraiment caché sous les arbres. Ouais, alors justement, si vous commencez déjà sans arracher, bien sûr, on n'arrache rien, on coupe à la base, sans arracher et nettoyage régulier, on peut faire un plan et à partir de ce plan, voir avec vous comment s'organiser. Super, attention au trou. Il y a un trou. Elle devait être là l'entrée, obligatoirement. Bah, c'est ce que je me demande, mais parce qu'ici. Par moutour. Bah non, c'est bien ça. Non. Sauf au Moyen-Âge où on appelait ça le châtelet d'entrée. Il y avait deux tours qui défendaient l'entrée et qui étaient minuscules. Mais là, on n'est plus au Moyen-Âge, hein. C'est la fin du Moyen-Âge. Bah, donc en fait, l'entrée, elle était là-bas. Il date du 11e siècle, hein, mais. Oui, mais ce qu'on en voit là, c'est pas du tout du 11e. Non, bien sûr. Mais je sais pas, je pense qu'il y avait un pont aussi ici. Ah, oui. Vas-y. À moins qu'il y ait vraiment un petit chemin, mais je crois pas. Je pense qu'il y avait un pont. On peut partager aussi l'information et nous, on vous apportera un plus plutôt que vous brider. Ça marche, merci beaucoup. Bon, en tout cas, c'est des beaux projets. Merci. Ouais, moi, je trouve ça super. Je vous souhaite plein de réussite. Merci, puis on se revoit un de ces jours, j'imagine. Ouais, allez, bon courage. Au revoir, merci. On a deux types de réunions qu'on fait ici. Et ça, on les a mis en place dès le début, dès notre installation sur le lieu. Est-ce qu'on se donne une date pour qu'on avance et aussi d'aller voir finalement ce mec, ça se trouve, oui, il y a un toit, ça se trouve, il est cool. Des fois, moi, je me suis mis une idée dans ma tête, mais c'est pas forcément la vérité. La première, c'est la partouze mentale. Pour le hangar, certaines questions qu'on va devoir se poser à un moment, notamment au niveau des autorisations. Tout ça, si on fait une demande de permis pour faire le hangar. Si moi, en lisant un peu sur internet, j'ai vu qu'il y avait possibilité de faire un hangar de stockage. On n'aime pas appeler réunion, du coup c'est pour ça qu'on a choisi le terme partouze mentale, parce qu'on aime bien rigoler aussi quand même. On a plus envie d'aller en partouze qu'en réunion, quoi. C'est vraiment le cerveau qui agit et pas les corps. En fait, dans l'idée, c'est un hangar qui est plus ou moins démontable, qui
s'inscrit dans la durée, par exemple, d'un chantier. Donc, ça va être, par exemple, le temps de la rénovation de la longère. Et ben, du coup, on a ce hangar qui est là et qui va servir, du coup, pendant ce moment-là à... Et ça, il n'y a pas besoin de permis ? Et ça, il y a beaucoup moins besoin de permis, voire pas du tout. Toujours préciser quand on a des invités que c'est des partouzes mentales, que c'est des réunions. Ça peut vite créer l'incompréhension. C'est plus une réunion d'organisation. Avec un ordre du jour de plein de points à aborder, en général plein. On met le panneau en fait dans l'espace et tous ceux qui ont envie de poser quelque chose à discuter ensemble pour acter des choses ensemble, on le fait à ce moment-là. Il sait, on sait ce qu'il en a dit un peu ou pas trop. Non, il a dit ok, je me renseigne, mais pour l'instant j'ai pas d'idée. Écoutez, par rapport au... Il y a des points, c'est plus informatif justement pour partager et faire circuler l'information sur différents sujets entre les habitants, parce qu'on est tous un peu tout le temps à droite à gauche, pas tous là en même temps, donc il y a des choses qu'on loupe. Et c'est là où on prend des décisions quand il faut sur des dépenses, sur des priorités mises sur certains chantiers. Cuisine, salon, extérieur. Oh bravo, ça on peut applaudir, ouais. Ouais, grave. Il est pas là, ouais. Ouais. C'est ton moment de gloire, mais t'es pas là. Bravo, les filles, confortable, les canapés. C'est génial. Ça va être par exemple, on a un achat à faire, on a telle réparation sur ce véhicule-là. La gestion des animaux, les prochaines rénovations. Ça va vraiment être des choses assez concrètes. C'est un bon nouveau spot. Hein. Ah, ouais, ouais, pur spot. C'est hein. The place to be. Hein. Ouais. Oh là là, c'est dire. Mais... Franchement, mais tellement merci à toute cette énergie qui a été mise c'est là-dedans. Clair. Quand je suis revenue de vacances et que j'ai vu ça, j'étais oh, mais c'est trop génial. Ils sont trop gérés. Ça, j'aimerais vraiment que quelqu'un vienne faire une étude en regardant toutes nos partouzes mentales, voir même est-ce que la parole est aussi bien répartie, homme-femme, ça m'intéresserait. Et voir aussi qu'est-ce qui nous reste de cette société dont on est imprégné et qu'on essaye de ne pas reproduire les dominations. Nous, c'est plus ça. On ne se dit pas qu'on n'a plus de domination, ça y est, c'est hyper chill et tout. Et il y a même aussi où des fois, on atteint un niveau de confiance entre nous et de conscience que... La personne, elle dit un truc assez cash, dur. Et voilà, on sait que des fois, on n'a pas le temps de mettre la forme, on n'a pas envie de mettre la forme, on n'est pas tout le temps dans la CNV du tout. Et on essaye d'avoir ça en tête, mais c'est un chemin, quoi. On peut couper les petits arbres et faire du débroussaillage, mais pas enlever tout ça, pas enlever pour remettre à jour la pierre. On peut pas remettre à jour la pierre, ce qu'on a commencé à faire. Non, parce que ça détruit, en fait, la préservation du château. On peut faire un projet en commun, c'est ce qu'elle a dit, pour essayer de voir comment mettre en valeur le château en essayant de préserver au maximum ses propriétés. Et du coup, elle a été super motivée, ça la botte à fond, elle a kiffé. Moi j'ai juste beaucoup de craintes par rapport aux libertés qu'on risque d'avoir sur le château plus tard, par rapport au projet d'accueil, d'événements qu'on veut créer là-dessus, et j'ai juste peur que ça nous bloque dans pas mal de sujets à venir, mais c'est juste des peurs et des craintes. Voilà. Ouais. Je cherche pas forcément à être rassuré là-dessus. Ok. S'il y a une personne qui est vraiment pas d'accord, jamais on prendra une décision, cette décision-là. Et c'est à force de discussion qu'on arrive toujours à trouver une solution, en fait, à cette cerveau. Mais je sais pas encore comment on a fait pour jamais faire de vote, mais notre volonté commune, c'est de trouver une proposition, parce que des fois, tu te mets dans un rôle d'opposition et genre, tu vas tout bloquer. Donc il y a aussi, à quel moment, ok, on peut prendre une décision. Donc, dans l'idée, cette idée globale, je suis bof avec. Cette solution, vraiment, je peux pas. Celle-là, ça me va moyen. Celle-là, c'est un peu mieux. Et du coup, aussi jauger avec nos limites. Plus on a d'infos, plus c'est facile de prendre une décision où tu as tous l'endroit où il y a tous les cercles qui se regroupent de chacun, quoi. Et ensuite, on a une autre réunion qui est la thérapie de souple. Et en même temps, dès que j'arrive et que je vois une nouvelle personne, il y a une forme d'angoisse qui se forme en ce moment, cet été, enfin dans cette effervescence de l'accueil, où je me dis, mais quand est-ce que je vais réussir à me reposer, quoi ? En fait, si je reste tout le temps en collectif, à un moment donné, je vais devenir aigrie, fatiguée. Ça va pas le faire. C'est un peu un jeu de mots avec la thérapie de couple.
et donc souple parce qu'à la base on était 6, maintenant 7 ça marche. Puis en plus il y a la souplesse qui est inhérente à notre fonctionnement, je pense, fonctionnement organique qu'on défend et qu'on expérimente, mais qui nous plaît beaucoup. C'est vraiment, je pense, le moment pour moi le plus important de Bel Air. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai senti le plus d'amour des autres et où je me suis vraiment sentie aimée comme je suis. Oh, je crois que j'avais de la colère un peu, enfin une colère légère, mais envers toi, Aline, parce que avec le projet santé où je me suis dit, où j'avais essayé d'inclure ça, pas pour te faire plaisir ou quoi que ce soit, tu vois, mais où ça avait du sens pour moi, et je me disais, ah, ça, c'est cool parce que tu m'avais un peu signifié l'envie, enfin le fait que ça te parlait. Je m'en voulais quand je générais des émotions fortes chez les autres par différents comportements. C'était peut-être pas trop de la colère, mais plus de la tristesse de me dire un peu, oh, c'est dommage quoi, c'est dommage, ça aurait pu être plus simple. C'est parfait comme ça, mais c'est marrant. Ça m'était venu ce soir-là. J'avais juste envie de le dire pour être plus authentique sur ce que je ressens. Ça, c'est l'instance un peu plus émotionnelle où on va se dire les choses cœur à cœur, où on va se dire ce qui nous tracasse, mais aussi ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime en ce moment. Et en fait, on va s'informer sur notre état émotionnel un peu plus profond. Et pour moi, ça, c'est le socle quand même de notre communion ici. C'est ce qui permet, ouais, je pense, une certaine solidité quand même. Jessie aussi, je te sens plus... Enfin, le fait de faire beaucoup d'accueil, j'ai l'impression que c'est plus... je te ressens moins à être dans le centre de l'attention à chaque fois qu'il y a des invités. Et en fait, ça me fait du bien. Et comme il y en a plein tout le temps, bah, tu peux pas faire ça tout le temps. Parce qu'avant il y avait un peu quand il y a des invités je suis plus en lien avec Jessie, c'est pas grave quoi, juste c'est comme ça. Et que maintenant je sens que c'est beaucoup plus, enfin moi c'est plus facile pour moi d'être là dans le groupe et d'être même discuter avec des gens ou quoi, parce que c'est pas, ouais, c'est plus, je sais pas, c'est plus réparti et je te sens aussi plus toi et moins dans un rôle, et du coup c'est plus facile pour moi d'être avec toi et c'est trop cool. Et j'aime bien nos petits covoites le matin, c'est trop cool. c'est chouette. C'est beaucoup de communication, beaucoup d'outils aussi qui nous servent aussi à faire en sorte que ça se passe bien, parce que c'est pas forcément simple, comme on peut peut-être s'en douter, mais il y a beaucoup de gens qui ont la volonté de se plonger là-dedans et des fois un peu démunis, quoi, parce que il y a un conflit, comment on fait quoi, clairement, comment on fait quoi, juste à part chacun exposer son point de vue quoi. Et donc on a aussi fait un peu de chemin chacun dans nos coins là-dedans, via la communication non violente, via la communication authentique, via d'autres outils que peuvent partager les Colibris ou l'Université du Nous, qui sont assez intéressants. Clairement, vous avez été, vous êtes de grandes sources d'inspiration, notamment, enfin, toi, Anouk, sur l'amour, c'est vrai que sur m'aimer dans mon intégralité, tout ce que tu as pu me dire au souple et tout, ça m'a beaucoup nourri. Et du coup, je pense que c'est aussi en grande partie grâce à toi que j'ai moins peur d'être moi et moins peur de l'autre. Du coup, et donc je pense que ça doit se ressentir, où je suis moins rigide avec, dans le contact et tout, parce que j'ai moins de pression, d'attente. Les partouzes mentales sont importantes, les réunions organisationnelles sont importantes pour que les choses avancent, mais le projet ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas ces thérapies souples, pour moi, à mon avis. Parce que si... c'est l'humain quoi, c'est l'humain le point fondamental du projet quoi. Et donc durant ces moments-là, en tout cas moi personnellement, ça m'a beaucoup apporté dans mon propre chemin et dans mon chemin dans le collectif et dans ce lieu-là, et je pense que les autres aussi, et c'est ce qui nous nourrit.
Ouais, c'est bien comme ça, ça fait un petit temps d'adaptation avec la redescente de toutes ces émotions par rapport à ce que Lynn vient de dire. Parce que ça me touche beaucoup aussi que tu dises ça. Une fois qu'on est connecté, tout est acceptable. C'est beaucoup plus acceptable d'être avec quelqu'un qui peut paraître chiant, on va dire, quand tu sais pourquoi aussi il est chiant. Et lui-même, quand il l'a exprimé, bah du coup, en fait, ça va mieux. Il n'est pas obligé de le rebalancer sur tout le monde en permanence parce qu'il l'a exprimé une fois. Et du coup, c'est ouf comment après chaque souple, le groupe, il est hyper différent et les interactions, elles sont différentes. Mais après, ça, c'est jamais acquis aussi. Donc, c'est toujours ce truc de... il faut en faire une toutes les deux semaines et des fois on oublie et on sent que ça monte aussi la pression, la déconnexion, du coup on comprend plus comment chacun fonctionne et c'est subtil mais tu sens que ça monte en tension aussi parce que du coup il n'y a plus le lien vraiment qui te permet de vivre bien ensemble. Ouais, je suis trop contente après chaque souple, de toute façon je suis trop contente, je me sens légère comme si j'avais déposé à la fois toute ma fatigue et ma lourdeur du quotidien, surtout en ce moment. On peut faire plein de projets autour, plein d'actions, plein de rencontres, plein d'événements, plein de potagers, on peut faire de la permaculture à tout va, mais s'il n'y a pas l'humain au centre, et c'est par ces thérapies de souple qu'on va vraiment prendre soin de l'humain et prendre soin les uns des autres, s'il n'y avait pas ça, oh non, je pense que ça, ce serait impossible, impossible. Comment on cultive l'amour, c'est vraiment pas facile comme question. Mais c'est vrai qu'en fait, pour moi, ça serait presque la seule à poser à un éco-village, en fait. Quand on parle de vivre ensemble, tout ça, pour moi, c'est derrière, c'est comment on cultive la confiance et l'amour en autrui, en la vie, qui fait que ça fonctionne et que du coup, si t'as confiance, t'as tout. C'est marrant, on dirait que... la soupe là, j'ai l'impression que cette soupe là a pas vraiment la même énergie dans le sens où, comme si là cette fois c'était plus genre en mode, parce qu'on sait que les soupes permettent de nous reconnecter et ça fait juste du bien de se reconnecter, surtout quand il y a plein de monde, je trouve ça marrant, genre, et puis genre s'il y a des trucs qui vont pas, genre, on les dit mais c'est tellement, enfin, tellement moins qu'au début où ça pouvait vite prendre pas mal d'énergie quoi. Bon, après vivement qu'il y ait des nouveaux habitants pour mettre un peu de piment quoi. Non, mais je pense que aussi ça dépend des phases aussi et des moments et ce qu'on vit et des expériences qui se passent à tel ou tel moment quoi. Et en fonction aussi des énergies de chacun. Et là c'est vrai que bon l'été veuillez non, je trouve qu'il y a quand même une ambiance un peu plus vacances, un peu plus détendue et tout. Mais... Ou en tout cas, c'est dans cette énergie-là que moi je suis. Et du coup, je trouve que ça ramène aussi beaucoup plus d'apaisement par rapport à certains trucs. Et voilà, je sais pas, je pense que. Enfin, ouais. Qu'on aura des prochaines souples bien corsées. Ouais. Mais oui. Oui, comme sûr. On en a eu des pas corsés du tout au tout début et donc plus corsés. Et...